Salut les potos, on va aller chez les sang et or parce qu'ils viennent d'officialiser l'arrivée de mon compatriote belge Loïs Openda. On voit ça ensemble les amis, allez c'est parti. Le Racing Club de Lens officialise l'arrivée de l'international belge Loïs Openda. Le RC Lens continue son impressionnant mercato après Adam Buxa, Jimmy Cabo, Salis Abdul Samed et Brice Samba. C'est désormais Loïs Openda qui débarque dans l'Artois. Un gros coup pour les 100 et or, qui vont faire de l'international belge la recrue la plus chère de l'histoire, alors que le montant de la transaction serait supérieur à 10 millions d'euros. Pour rappel, il avait marqué 18 buts en 33 matchs de Eredivisie avec le Vitesse l'an dernier. Et ouais les amis, ça c'est quand même un bon coup pour les 100 et or, parce que moi Loïs Openda, je l'ai connu quand il jouait à Bruges, il était déjà très fort. Après il est parti au Vitesse Arlem apparemment. Et franchement, même avec la Belgique, il a été convoqué il y a peu. Il est rentré les 10 dernières minutes, il nous a claqué un goal. Et franchement, même pour nous, pour la Belgique, franchement, j'espère vraiment qu'il va passer un palier. Voilà, avec Lens, je sais bien qu'il y aura un petit club. Mais on a vu ce qu'ils ont été capables de faire cette année-ci, les 100 et or. Et avec ce mercato ambitieux-là, il y a moyen que la saison prochaine soit comme celle-ci. Donc ça, il peut quand même bien progresser. Moi, je suis content quand même pour le RC Lens. Parce que voilà, quand ils étaient en deuxième division, c'était déconné, parce que c'était quand même un club historique de France, le RC Lens. C'est quand même un très bon club. Moi, j'ai toujours apprécié ce club. Et franchement, voilà quoi. Loïs Openda, je suis sûr qu'il va les aider de fou. Et s'il peut passer un palier et après signer dans un top club, ça peut être que bénéfique pour l'équipe belge. Donc moi, je suis plutôt content de ce transfert, les amis. Et ouais, franchement, Loïs Openda, je pense qu'il va quand même apporter des choses. Parce qu'il est très bon, il est vif, il est rapide, il est technique. C'est un très bon finisseur et je pense qu'il peut vraiment apporter les amis. Mais vous me direz tout ça la saison qui va arriver, on verra ça ensemble les amis. Prenez tous soin de vous et des gens que vous aimez. Ciao ciao.